Bonjour, bonsoir la famille, compatriotes haïtiens frères chums, comment nous y est? Nouvelle la tombée, pour Pupiti gagne 30 présumés bandits, 30 nègres examen dans la coalition gang vivant ensemble, qui fait voile pour pays sans chapeau. Alors que tu es dans le bloc 2h du matin, les nègres examen ont yo, yo assiégé, yo prend Pétionville en otage grâce à vigilance population qui marque code lombric avec la police. Et bien qui t'a pral rivé intercepté et ZFI ça tout fait ça yo. Déjà là, gen pile vidéo qui a circulé sous tout réseau a nèg ka ben nan sens sa ki an ba flam caoutchouc. M'pa kache di nou jodi an Port-au-Prince, jodi an Pétionville principalement, commune Pétionville levé yon lot jan. Nou genye divers vidéos nou pral partager, genye bandi et ki fè dernier prière yo avant yo ba yo bwa kale, ba yo compliqué. Mais entre-temps, pendant nou fè fixation, pendant nou figé sou sa ka passé avec nèg exam yo, eh bien, nos affaires politiques pas bon ici, toujours gagner gros coquin chaîne décision qu'a prend Conseil présidentiel transition à tout nouveau premier ministre Lydie Jeffizé mais continue à engager nation. Si pour un pile compatriote qui a visé qu'a suivre ça qu'a passé dans dossier politique là Haïti prend un complot, gagne pilote qui indigné, gagne pilote compatriote qui suit ça qui passe dans la politique là, qui yo même yo pas de bouche pour yo parler son route total capital que Haïti apprend avec équipe qui sous pouvoir. Nous gagne pile information, nous gagne plusieurs vidéos, nous pral partager ensemble avec vous. Déjà, m'abjou bienvenue ou sous TAC 509 tout haïtien connecté. Dans l'émission Mon éditorial avec Yannick, nous là pour nous porter information pour vous, nous là pour nous brasser l'idée sous tout petit détail important cap dominer actualité. Et nous avons gagné également pour nous faire un coup de pied dans le pays États-Unis, côté et président américain Donald Trump, li prend gros coquin chin décision et qui pral gagne un gros impact, qui pral affecter yon l'autre fois encore communauté haïtienne. N'a commencé émission avec et vidéo si là on nous garde ensemble. Il a fait les gars parler. Ah. Ça va dans son ça va tweet. Les potes sont pareils, les potes sont rivés. Après après bon, tu as foncé les potes moi qui t'a une idée, tu as fait le cannabis vert. Juste pour t'arrêter, je pense que ça n'a pas été. Pour t'arrêter, il dit. Mais, je pense vraiment, nous avons une situation pas bonne. Mais, plutôt pour le chien. T'en as bien fait. Je pense que ça va nous aider. T'as pu, s'il vous plaît, frère. Là, j'en ai regardé. J'en ai regardé là, eh bien, c'est une bandit dans la coalition gang vivant ensemble. Moun kanap e ver yo depose la patte sou li. Nous sommes tande li qui a parlé, nous pral fè nou tande li à nouveau. Et nous gagne quelques commentaires, nous pral placer dans le dossier. Ça, on a entendu la quoi. Nous kanap e ver mi la. Ah, let's go back to the action, let's go back to it. Les potes sont pareils, les potes sont rivés. Y'a bon, y'a brachou. Bon. T'as foncé n'importe qui qui a une idée, t'as fait le cannabis vert. Juste pour t'arrêter, je pense que ça n'a pas été. Pour t'arrêter, il dit. Mais, parce que vraiment, nous avons une situation pas bonne, mais plutôt pour le chien. Cannabis vert, je pense que ça va nous aider. T'as pu, s'il vous plaît, frère. Voilà. Là, on a regardé. On a regardé. Imagine garçon ça et n'a regardé li al prend Pétionville d'assaut yo rentré dans camion yo dans bus yo al attaquer Pétionville et depuis plusieurs semaines coalition gang vivant ensemble nan yo te getan mette alerte sou Pétionville yo te di yo pral attaquer Pétionville mais gros bagay en pile moun pa jam comprendre et moi même toujours ap chercher pour me comprendre pi bien pour moi pi clair ça nèg yo vle fè ak peyi an
le vivant se m'a parlé yo toujours dou yo a fait révolution gen deux moun gen deux catégories moun qui a péché yo atteint objectif yo c'est politique c'est trois catégories yo dou la police yo dou politicien yo avec oligarque yo c'est la police qui empêche yo al prend politicien al prend oligarque mais on nous sérieux l'homme met un paquet de jeunes garçons non bus ou met un paquet de jeunes garçons non camion di yo al prend Pétionville. Je n'ai pas gardé là, ces matériels, yo mette pour yo pèse. Yo débarqué complet. N'a pas gardé, yo gen génératrice yo. Yo gen bay pour yo pèse mi. OK? Yo gen bay pour yo pèse mi. Ça veut dire yo marché tout complet dans camion. Là yo rivé, yo pral la kayti malere malereuse pour yo al pran moun en otage, pour yo al faire des blousailles. Eh bien, vigilance population parce que faut moi di nou. Gen pile zanmi ki tout tap écrit moi yo même yo genyen bay brigade yo mette campé moun yo pas dormi la nuit kou la journée moun yo vigilant y a veillé ou imagine si pas genyen brigade za yo ki te mette campé pour intercepter camion pour intercepter bus. Jodi an la, nan moment n'a parlé la, ki sa te ka genye nan Pétionville la? Comment situation te ka compliqué, critique, chaotique, désastreuse nan Pétionville la? À cause nèg exam, à cause coalition gang vivre ensemble kap attaquer. Mais au final c'est attaquer qui est? Au final c'est nan ki objectif attaque si la yo y a fait. Moun pa jam ka arrive comprendre. Compatriotes haïtiens frères chèm, image yo choquant. Si c'est pour image ça qui a passé dans Pétionville, jodi an la, m pa kache di nou, image yo choquant. Même femme enceinte a bay bwa kale. Tout moun ap cherche protéger tête yo, tout moun ap cherche protéger vi yo parce que bagay lan li compliqué. Même ap gade sou réseau, une campagne qui commencé. Nèg yo fin assassiner Jovenel Moïse depuis 7 juillet 2021. Plus que 3 ans après, même après la mort, nèg yo vle rann Jovenel Moïse coupable de sa kap passe journée jodi en Haïti. Alors que même nèg qui était dans l'opposition, qui était participé dans touye Jovenel Moïse, qui était participé dans déstabiliser pays sous Jovenel Moïse, c'est yo le pouvoir, c'est yo nan pouvoir. Pour l'histoire et pour la vérité, gen yon nan akolit André Michel yo qui était fait aveu. Et n'a fini par comprendre problème nan c'est pas Jovenel Moïse mais plutôt problème nan c'est nèg qui était dans opposition politique qui tap bataille pour pouvoir qui pas satisfait à ça yo tap joindre à ça yo tap gagner qui t'ai préféré prendre tout pourquoi yo et journée jodi a plonger Haïti dans chaos généralisé plonger Haïti dans kachouboumbe nous presque tomber dans guerre civile dans pays. Malheureusement c'est pas ça nous souhaitait même pas caché dit nous. Malè pou yo, madichon pou yo. Malè pou yo, madichon pou yo, compatriotes haïtiens frères sœurs. Avant nous al tombe dans vidéo rétro, nous genyen Pasteur Moïse, m'pa kache di nou, li chante veille conseil présidentiel transition. Nèg sa yo ki au plus haut niveau de l'État, ka volé, ka fait tout sa yo konnen pou yo kembe peyi en otage. Eh bien, Pasteur Moïse vient parler avec yo. Elle tout profite faire gros coquin chaîne révélation. Il pas de l'autre côté, c'est sous canal Dignité Altéye. M'bral permettre nous garder et tendre ensemble avec moi qui ça détail ici là. On a. Pays ça produit trop conse, monsieur Fourri va même dans jardin bois calé. Pas privé dans jardin bois calé. Il est important pour nous vivre. Que Jocelyn privé vende qu'on devine parce que l'on richesse en balle. T'es arrêté pas faire rien et que Bois Calais avec équipe qui déporte son parole à travail. Diaspora a envoyé en pile l'argent pour que vous barrez terre. Eh bien, nous voyons comment le commissaire gouvernement et nos effirés, eh bien, quoi que, prend Bois Calais dans mes juges nous pour le fermer pour 8 mois. Parce que selon Sayodi, il y a un petit chocho qui tombe. Et nous voyons comment que deux magistrats au pêche viennent avec un groupe de gangs, eh bien, pour couper tout le fil fer pour annuler le jardin. T'es arrêté là, ça ne va pas travailler.
pays nous c'est haïtien politicien ça yo qui rend ni côté lié a ne pas mettre pas faire classe ils ont folie pouvoir ils ont folie gouverner et ça que nous gain 221 ans n'a tourné en rond le pays a tourné tant qu'on chasse musical quand chaque nèg a fait un petit coup et nous dit gouverner c'est prévoir le gouverner c'est un don. Ça veut dire que pour gouverner, il faut que le dos de gouvernement. Et nous dit que c'est stabilité politique seulement qui a retiré le pays en Haïti. Nous ne pouvons pas demander pour l'élection. Royaume Satan, il y a stabilité. Parce que si le royaume Satan n'a pas de stabilité, si il y a démocratie dans le royaume Satan, Lucifer n'a pas de place. Et les politiciens haïtiens, tu prends place Lucifer tellement méchant. C'est eux qui conduisent le pays là. Je dis à nous dit que non seulement nous devons gagner, décentraliser le pays. Et me dit déjà, ce n'est pas courir à le cacher dans Biden. Ça va courir à le cacher ce domaine. Pays, c'est pour nous lier, c'est capé goumé lier. C'est nous pour délivrer. Nous tous à l'étranger, nous courir, nous attendons les bons. Et puis la fin pour nous venir, nous attendons pour Gomando qui mourit, pour gagner un Milouik mourit, nous attendons pour Canal Doc mourit, nous attendons pour Pasteur Moïse qui mourit. Et nous disons qu'ensemble, ensemble, nous forts. Là, nous tous nous courir. Qui est-ce qui a fait la bataille là? Par exemple, d'autres qui viennent racher les bagages paysans là, monsieur t'as supposé sortir, je ne sais pas vérité. Parce que c'est trop méchant, c'est garde nos terres, nous t'avons fait manioc, maïs, avec tout ça là-dedans, pour nous d'accord, pour nous bailler Dominique, mais Dominique n'a pas de terre par là. Pour qui ça n'a pas de terre par l'autre bord? En général, tout le monde était bouche fermée. Et magistrat Eno, eh bien, il y a des bagages qu'on fait, capable de camper pour vous de génération en génération. Parce que vous avez petit, pays ça est trop pour nous trahir. Bois calé parce qu'il doit aller en prison, attendre pour 8 mois. Ça l'est réelle parce que la cercle est en terre pour le planter, pour le planter manger. Ça révoltant, monsieur. Parce que les bagages que nous faisons, c'est vrai, nous commissaires gouvernement nous jugent. Mais on juge des juges. Juge des juges, c'est l'éternel des armées. On l'aide d'ailleurs, pas qu'à qu'il y ait derrière nous. Parce que nous sommes méchancés. On l'aide à payer ça parce que nous faisons trop l'argent payé pour faire crime. Si nous nous sommes pour devenir vagabonds, parce que nous faisons payer ça, trop habit, trop crime. Pour tout ça qu'on fait là, eh bien, monsieur, après avoir nous craser barrière. Nous craser les barrages, nous craser jardin et puis nous l'arrêter à camper parce que nous avons redevance pour ça. Ça n'est pas de pile. Bagage, ça a créé découragement. Pour nous que conseil que le pays a produit, au lieu que produit les hommes et les femmes vaillants. Je dis, et vous regardez vrai, je vois que Laura, dame qui est Laura, c'est venu dire, mais qui est-ce pour qui mourir? Eh bien, quand il faut me chercher qu'on est, est-ce que Laura ça pas te rencontrer avec Mano? Faut me chercher qu'on est-ce que Laura ça pas rencontré avec Milori. Parce que Laura ça c'est une dame semble que quand grand nèg yo à corps politicien yo ballon poison pour le marché tuer moun qui dans canal. Vous regardez que il dit Woodley n'a pas mourir, on pas mourir, Jacques Sauvé a mourir et général Claude a mourir. C'est que Laura dans l'histoire pas un grand nèg là-dedans. Dans l'histoire Laura pas un grand là-dedans. Faut nous ouvrir chez nous parce que pays ça c'est pas l'autre pour sauver, c'est nous pour sauver. Et bien quand que trop absentéiste. Il y a tout le monde qui a caché ce domaine et puis il y a tant de pays à bon. En général, Haïti a besoin de stabilité politique. Pour une stabilité politique, là, on est d'accord pour nous capable de gagner un gouverneur dans chaque département. Imaginez aujourd'hui, pour que jusqu'à présent, le monde dans le sud a voué l'argent pour Port-au-Prince. Jusqu'à présent, pour le département, a voué l'argent pour Port-au-Prince. Pour ce Port-au-Prince, Napton, pour qu'il vienne ramasser Fatah pour nous. Pour ce Port-au-Prince, Napton, pour venir payer la police. Pour ce Port-au-Prince, Napton. Pour venir payer l'argent la ville. Tandis que Port-au-Prince a bloqué, Port-au-Prince corrompu, Port-au-Prince une ville sanguinaire, Port-au-Prince d'un monde sans cœur. Nous devons réveiller nous pour nous dire que l'argent fait dans le département, pas pour le Port-au-Prince encore. Là, maintenant, le département pour payer élève l'école. Professeur, il faut plus de pas toucher. Les grands nègres Port-au-Prince prennent l'argent pour financer gang, pour payer gang. Et bien, nous bien. Je dis à ça, c'est me révolter. Parce que vaut mieux que vous mouriez dans le combat. Ton mourir comme lâche. Parce que nous disons déjà, Apocalypse 21, verset 8, pas de place pour lâcher dans le royaume ciel. Là. Monsieur, il y a des choses qu'on fait pour payer, même si vous ne pouvez pas payer, petit tout, après le payer, parce que vous ne pouvez pas suspendre haïtien. Et tout quand on passe dans le monde entier, même si vous avez un magasin, vous avez un gros business, vous toujours été rich and people, ou bien vous avez un bon people, vous avez un immigrant, vous avez tout non. Moi même, ça, je suis fier. Je fais 15 ans aux États-Unis, je retourne là quand même. Et pas déporter ou déporter. Nous, malheureusement, c'est l'américaine. Nous disons, here your paper. Blanc étonné. Sur deux heures de temps, l'ambassade prend pour la brûler tout partout pour demander ça qui passe. Et que, en général, que, en fier d'être haïtien, de rester la caille, même qu'on est que c'est nous pour qui régler la caille, nous pour régler la caille. Regardez, en pile dépense qui fait. Et puis, monsieur, vini, donc, doit sentir content pour venir pour faire ravaler ça. La nature est capable de juger. Parce que les bagages justes, vous ne pouvez pas être clair. Les bagages juges,
pour qu'il baille justice sous la terre, l'Éternel des armées a baille justice. L'Éternel des armées qu'on retire, force nègre, qu'on mette faiblesse. Il qu'on retire les yeux, il rend aveugle. Il qu'on rend handicapé. Il qu'on fait Alzheimer. Il y a crispation. Et me fait un appel, je dis, au Dieu très haut, au Dieu créateur du genre humain, au Dieu créateur de l'humanité, pour que juger les leaders en Haïti, surtout les juges, les commissaires du gouvernement, les politiciens, c'est leur attention, Seigneur, pour nous grâce. Juger méchants, ça y est, qui mettent dans la situation, ça y est. C'est vrai, yo, y a un ministre de justice, y a tout acolyte, yo, la terre a une prison pour yo, même quand on a une prison, ou une prison, ou même, qu'on est capable de mettre, ou capable de faire la terre à l'ouvrir bouche, valé, yo, ou capable de faire roche à l'ouvrir bouche, valé, yo. Eh bien, Seigneur, rends-nous justice face à tout le monde, ça y est, qui rend le pays à comme ça, après 221 ans, pour que nous toujours un peuple qui égaré, un peuple qui errant, par les côtés sur la terre bénie, comparé aux haïtiens, parce que dirigeant nous, c'est des traîtres une fois encore. Encore, ils ont été crucifiés, ils ont été une fois encore que décapité de Saline. Mais qui grave. Le père de la patrie a été mis en pièce. C'est un monde fouille qui nommait défilé, qui mettait le nom sac. C'est que même à l'époque de 1806, monde fouille ont été raison sur les politiciens haïtiens. De 1806 à nos jours, je dis à genoux l'ouvrir pour nous voir que la politique, c'est l'acte de bien gérer. La politique, pas doué comme une chaise musicale pour chaque nègre Abdi Bam Fontipou, parce que la gouvernance est un don. C'est parce que la gouvernance est un don qui fait depuis l'éternité établie, Dieu a géré. C'est parce que la gouvernance est un don, jusqu'à présent, royaume Satan, une fois encore, a géré. Jour où on mettait démocratie en royaume Satan, l'a crasé. Démocratie, c'est l'affaire des Blancs, et même yon, il y a une démocratie là, caillou. Parce que yon a des institutions qui sont fortes, qui établissent la continuité d'État. Même là, en République Dominicaine, nous, yon a gagné, nous, yon a gagné sous l'homme. Et nous lançons un message encore. A ti, monsieur, que yon a les gangs, yon. Monsieur. Ça nous bénéficie de ce qu'a fait là. Le regard devant la cathédrale, le regard des Belais, le regard des Matissan, le pays a devenu un pays désert comme le Sahara. Monsieur, nous c'est haïtiens. Nous c'est haïtiens. C'est l'heure pour nous prendre conscience. C'est l'heure pour nous virer les amis qui sont dans nous. C'est l'heure pour nous dire que nous haïtiens, nous ne pouvons pas suspendre haïtiens. Même si nous avons un passeport qui m'a quitté aigle là-dedans, ou toujours est haïtien. Le pays d'Haïti, pas que l'autre monde qui a mangé, c'est nous qui avons mangé. Et nous disons, nous continuons à prier dans des politiques. Voilà, là nous sommes attendés, Pasteur Moïse. Madichon pour tout politicien, madichon pour tout crasé pays, pour tout konze sa yo. Nèg yo pour un pays, yo krason un pays comme ça, yo réduit pays à l'état de rien. Au profit de qui est-ce? Au profit de moun de yo. Tout ça yo fait c'est pour moun de yo, nan intérêt moun de yo, pas fan yen nan intérêt pays yo. Donc journée jodi an, Pasteur Moïse, pour te finir, te pose nèg ak zam yo question, qui sa yo bénéficie dans sa ka fèt an de dan pays? Véritablement, fok nèg yo ta répond question sa, qui sa yo bénéficie? Qui sa yo bénéficie, jounen jodi an, nan krasé prop pays yo? Nan krasé l'hôpital général, seul kote malere malere zan te ka rentre à 100 goud nan pochi, à 150 goud nan pochi pou la lè soin, mo so la son yay, yo krasé yo boule le rapiété. Nan krasé institution au moins qui t'a desservi communauté a qui t'a desservi malere malereuse moun qui semblé a bon comme qu'on y a nous pas ka di ni semblé a nèg sa yo tellement fait l'argent sale yo tellement gen mauvais l'argent nan men yo c'est millionnaire nèg yo di yo pa jam pauvre encore nous pas ka di yo semblé avec nous eh bien c'est ça oui. Yo pas semblé avec nous c'est ça qui fait abdet nous comme ça nous comprenons nous est quoi nous est quoi mais faut moi di nous politicien sa yo, jounen jodi an, qui a fait jouet international lan, qui a fait jouet et moun de yo, qui a fait jouet pa yo pou yo tire avantage pou intérêt pa yo, intérêt personnel yo, pou yo enrichi yo sou mizè peuple sou san peuple lan. Et bien, gon kote yo te commencé. Sa ka passe jounen jodi an, pendant pile moun apprenne Jovenel Moïse responsable, etc., mouè jen yap tape Jovenel sou réseau, ah, ok. Mais fok mwen di nou tout. Politicien nèg ki te nan opposition politique sou Jovenel Moïse yo. Yo pou beaucoup nan sa kap passe la. Pour l'histoire et pour la vérité, ancien sénateur Beauplan, Evalier Beauplan, nèg lui la, li te fait aveu a, anarchiste yo, krasè pays yo, apatride yo, konze yo, trèt national yo. Yo te fait aveu a. Se opposition politique la ki te problème nan. Yo te ran Jovenel Moïse coupable de ça ou t'a reproché lui mais vrai problème nan véritable problème nan c'était opposition c'était André Michel c'était Nenel Kassi c'était Majorie Michel c'est Yuri Latortu non même opposition politique ça Edgar Leblanc de la dedans
Joune jodi à côté yo, c'est pas yo nan pouvoir, c'est pas yo kontimon des affaires, c'est pas yo kap gagote, c'est pas yo kap ouvri kor yo, c'est yo même oui, même yo même non. On nous a regardé vidéo ça, ensemble avec moi, n'a comprendre plus bien, on allez. M'bal bon, mm-hmm. C'est ça fait m'zou ou besoin, mon général en chef. Pendant pays lok là, Jovenel Moïse relève dans le téléphone. Il m'a dit non que m'habitue dans l'odeur, c'est dit bon, moi avant pas de arriver là, ou c'est dans l'odeur, c'est pareil, moi. Mais faire certains nègres faut participer dans fermer pour voir la même. Ou t'es besoin de mettre ma genou. C'est où capable avec nègres pour lever. Quelle humilité. Je dis, monsieur, ça me fait président. Monsieur, je suis prêt pour me battre 95% pour voir. Pas la nègres pour moi. La petite histoire devient la grande histoire sur le plan. Bon, pas la nègres pour moi. Ils me font 30 à 40 secondes pour parler. Monsieur dit, où dans le téléphone, je me dis, président. Je dis, président, je vais le faire un bagage. Comme je me dis là. N'est-ce pas croire que moi et ma voix, nous avons parlé ça sur la question ça. Ma fond, on l'autre appel. Je m'invite tous les amis, venez là qu'à moi. Nous sommes ensemble. Je dis, monsieur, je m'a obligé de mettre le président sur le speakerphone pour me faire reprendre le message. C'est ça qui est-ce qui était là? Non, l'invite. Tout le monde là. Il me dit, vous connaissez les grands ténors de l'opposition. Mm-hmm. Tout le monde est président Jovenel. Et gon plume avec le monde. Il y a des questions pour me poser. Et tout le monde. Tout le monde dit c'est ma toi. Qui garantit que si au moins nous retracter, si au moins nous obtempérer, que va marcher dans le chic là. Qui ça président répond? Monsieur Tim, je veux jouer à l'avocat. Nous sommes du même côté. Je ne peux pas croiser avec l'opposition, je ne peux pas croiser avec vous. Je ne peux croiser dans notre ouest. Fais ça pour moi. Et il est entré dans le petit. Et je dis monsieur, nous avons deux choix. Si nous pas accepter le marché, monsieur Kavin violent qu'on a. Parce que monsieur Takou son couleuvre qui est dans tout lit. Et il a besoin de sortir, nous n'avons pas de chance pour sortir. Et il me dit, monsieur, mais qui garantit ce gain puisque c'est l'international qui a sonné? Monsieur dit, on ne met pas la nec qui a aucun contact. Vous comment ça passe? Dernier appel avec Jovenel. Monsieur finit de retourner. 10 minutes après, je viens parler avec l'international. Je suis avec le président au téléphone. Je dis, bien sûr. Je viens toujours je lui parler au téléphone. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je dis, mais ça dit. Ok, nous derrière ça le tout là. Moi, il dit l'opposition encore. C'était l'ambassadeur qui relève. Moi, je démissionne au nom de qui est-ce qu'il a parlé. Je relève, je suis encore au nom de toute mission diplomatique. Pause. Le plus important. Sénateur, pause. C'est-à-dire le président Jovenel était prêt. Prêt. C'est-à-dire le c'est problème. C'est pas grave, le problème. Dit, le problème. Il a pas envie, pas mal tendu, mais il était prêt. On est là pour parler la vérité. Il était prêt. Le problème n'était jamais le président Jovenel Moïse, mais l'opposition. Il était prêt. Non, c'est dit son vérité. Le problème était l'opposition. Le problème était l'opposition. Pas 40 années. Yo madame pour moi ambassadeur. Yo pensé qui à la base de problème là. Séance de note moi l'ambassadeur, moi les sections politiques là. Il me dit moi dois rencontrer tel ambassadeur. Il dit moi c'est difficile, non gagne urgence. Yo relé ambassadeur mettez sur là, ambassadeur Evalia, c'est comme ça. Que ambassadeur Evalia, dis-moi. Il dit voilà, moi gagne urgence pour que moi rencontre. Il dit Evalia viens chez moi vendredi. Et l'opposition nous cherchait quoi alors? C'est ça le problème moi. Et je dis à c'est un problème que moi, je viens de avec l'opposition. Et ni moi, ni Kélibassien. Une autre petite question que je me posée. Il dit que le président Jovenel a accepté pour le bas, ou même, ou bien sénateur Kélibassien. Ça, c'est dans des moments. Je ne parle pas de l'opposition. Et puis, ambassadeur, qui me finit ça, en seconde. Ambassadeur, invite-moi à la Cadivano. Il dit, je viens seul. Parce que je suis un langage diplomatique, je ne voulais pas l'avoir. Je n'ai pas fait autant d'elle. Je vais nous citer en parler. Question de culture diplomatique. Monsieur, il dit, Evalia, laisse-moi te dire. Est-ce qu'on connaît en pile dans notre direction? Bon, oui. C'est l'élection ça qui a accouché Jovenel, oui. Est-ce qu'on pensait nous-mêmes encore qu'a dit même élection ça pas bon, Jovenel pas bon? Il dit non, pas quoi. Il dit mais maintenant, bye, tout le monde n'a pas pu sortir. Accepter, dit la Jovenel, et que l'international a sorti honorablement, ou a sorti honorablement, et puis Jovenel a sorti. Il dit, je ne peux pas parler sur ça. Il dit, prends téléphone, il faut y'a clos avec un collègue. Je fais y'a clos à téléphone, il n'a pas marché. Il dit si que. Ou accepter marché, ma fait Jovenel venir là qu'on est pour même avec Jovenel au nom de l'opposition. Ce qui m'a pas d'habilité à faire. C'est-à-dire, reste dans l'opposition, hein? Pas d'accord qu'on fait ça. N'a pas jeté, monsieur, monsieur a tombé quand même. C'est ton illusion, monsieur a tombé quand même. Nous mettons continuer à peser, monsieur a tombé quand même. Donc nous passons 3 mois à payer l'autre comme ça. Nous arrivons là. Et puis il y a finalement, payé, 2019, puis... après un pile échec, que chaque fois me face à la réalité, je n'ai pas de résultat. Parce que monter congrès américain, dans le Sénat américain, de tous côtés, je parlais, je m'ai porté message, dans toute ambassade, je m'ai porté message. Il a toujours dit, il faut me joindre en tête, il
faut rentrer dans un franc dialogue. Il n'y a pas qu'à déchouer comme président pour mettre nous comme civil. Maintenant, finalement, l'homme n'est pas capable. 2019, en décembre, m'inviter toute opposition à la Cameroun. L'être énorme. L'homme dit toute opposition, tout pour nous connaître. Dire pod. Non, pas dire pod. Dans SDP. Voilà. Là, nous sommes des beaux plans. Qui t'a fait, qui t'a baillé à veli, qui t'a baillé des détails. Il y a plusieurs bagailles qui attirent l'attention dans tout ça beau plan t'a dit là. Le premier bagaille, c'est que l'opposition politique là, sous Jovenel Moïse, y'a pas gagné aucune feuille de route, y'a pas gagné aucune vision pays vraiment. Son groupe conze, qui t'a fait job pour oligarque corrompu, son paquet de tigran goût adverse, son paquet de bandits adverse, ok, bandits légal, qui caché derrière parti politique, derrière structure politique, qui vient à faire choul oligarque corrompu, qui te gen gros intérêt économique qui te menacé, qui te besoin pour pouvoir. Malgré le président Jovenel Moïse, il te paré pour te cédé nègyo 95% de pouvoir de gouvernement, nègyo yo pas choisi dilak Jovenel Moïse. Yo pas choisi entendre à Jovenel Moïse. Malgré yon te di, c'est international la te kembe Jovenel Moïse, même international za, li accepte le fait que Jovenel sou route pour faire cohabitation avec neg yo, opposition politique la yon pas accepte. Parce que yon te di, yon te catégorique, Jovenel Moïse, le ou la façon la tombe. Et au final, neg yo yon touye Jovenel Moïse re. Qui sa m'vle nous comprendre? Nous va nous comprendre journée jodi. Équipe ça qui t'a gagné beau plan là-dedans. Qui t'a gagné André Michel là-dedans, qui t'a gagné Nel Kassi là-dedans, qui t'a gagné Yuri La Tortue là-dedans, qui t'a gagné et même Edgar Leblanc, leur opposition fait constituer de dans opposition. Qui t'a gagné un paquet l'autre acolyte, qui t'a gagné oligarque corrompu, qui t'a gagné Boulos, Chérif Abdallah, qui t'a gagné Dimitri Vob, tout reste acolyte, qui t'a anti-Jovenel, anti-pouvoir, anti-stabilité à l'époque. Yo t'a joué une possibilité pour yo t'a bail Haïti en chance si vraiment opposition t'a bon vision pour payer. Y'a pas de aucune vision. C'est un groupe nèg qui t'a besoin pour un gâteau à pourquoi yo? Qui te besoin sous ces mamelles là pour quoi? Qui te besoin fini à payer parce que yo te dans campé loin trop longtemps? OK? Qui t'a fait jouer de coquin jouer de madame ça jusqu'à ce que pendant période pays lock, yo vinn créer plus gang dans pays, yo vinn mettre plus gang dans pays, yo vinn armer plus gang dans pays en dedans la République pour yo ba nous ça nous gain la journée jodi comme résultat. Pour yon ba nous ça nous gen la journée jodi an comme véritable résultat. Bon plan te clair nan sa le di yo. Jovenel te vle négocier. Kon groupe international qui t'a supporté Jovenel Moïse, yo te d'accord pour yo céder pouvoir, pour yo te céder en partie nan pouvoir, 95% nan pouvoir bay opposition politique la. Mais qui vision opposition te gen? Qui fait une route opposition te gen? Nous konsa te véritable problème nan les sa avec opposition parce que nèg yo pa t'entend yo pou yo te séparé gato a. Et c'est ça qui a passé journée jodi an. Même Jean ouè sou Jovenel nèg yo pa t'entend yo pou yo te séparé gouvernement, pou yo te séparé gato entre yo. Donc c'est même bagay lan ki gen. Pendant près de 5 mois à 5 à 6 mois avec Gary Koni, nous ouè comment cohabitation li pa ka bay résultat. Jusqu'à ce que Gary Koni fait tout temps ça comme chef CSPN a cherché jouer nos solutions à insécurité à Nad Marinade au nouveau premier ministre pose cette question même nèg sa ou te participé dans tout les Jovenel qui pas ka entendre le Jovenel te paré pour te bailler au pouvoir te paré pour te bailler 95% dans pouvoir est-ce que journée aujourd'hui nous mettez dans tête nous dans tête nous que même nèg sa ou ka vinn font bagarre pour pays non yo pas ka faire rien pour pays c'est nous pour prendre responsabilité non. C'est nous pour prendre responsabilité nous malheureusement et beau plan le vin fait aveu yo le beau plan vin wè que le té nan erreur et est-ce que le pas trop tard pour beau plan hein est-ce que le pas trop tard parce que journée jodi an jan situation paysan est là jan gang vin prend pays jan peuple a souffri à cause insécurité à cause gang politiciens akoliga corrompu créé en dedans paysan pas gen ou pas moi pas gen le choix.
Et c'est ça le problème. Pas gain le choix. Donc je ne jodi on pral dim que nous carnik accepter de c'est pas ave fait et puis nèg la reconnaître c'est ma faute, c'est ma plus grande faute et puis nous quitter le couler. Nous quitter le couler? Non. Tout nèg ça qui fait pays en tort, qui fait pays en mal, qui fait pays en injustice, qui fait pays à abus, faut qu'yo paye. Oligarque yo se sauver, a sauver avec petit yo oui. Se sauver, a sauver qui te pays en oui. Nous pral garder ensemble avec moi vidéo. Vidéo oui côté hélicoptère l'état haïtien. Hélicoptère l'état haïtien qui a embarqué et nèg yo qui a embarqué oligarque yo, proche oligarque yo, famille oligarque yo qui a embarqué yo pour yo quitter pays ya. Hélicoptère même hélicoptère ça ndé wè gari koni te di yo acheté pour et pour la et pour la police oui. C'est même hélicoptère ça. Nous pral garder ensemble avec moi pour aller. Yo gen kote pou yo chape pou li yo. Nous pral retourner sous nous pral wè. Ça me pral montre ou là pral comprendre. Voilà. Voilà. J'en ai regardé là, nous, c'est hélicoptère l'État haïtien, hélicoptère nous, petit drapeau. Même hélicoptère, ça a gagné qu'on était dit l'acheter, mais après, ça a entendu se louer. Bon, définitivement, pas qu'on. Et pour qui est ce hélicoptère? Voilà, c'est hélicoptère, ça, c'est lui qui a fait évacuation. Et moun Solino, yo, moun Nazon, yo, moun Krissoa, yo, moun Posonde, yo, ça passe, yo, pas mérité évacuer? Moun sa, yo. Oligarque pou yo proche famille des séries de nèg en dedans pays yo plus la vie yo plus compté que la vie moun Solino, la vie moun Belè, la vie moun et Badelma qui s'est passé. On regarde gens l'état haïtien, gens yo prend temps yo prend ça yo pour faire évacuation moun za yo. Comme si malheureux malheureuse cap courir pour bandi matin midi soir la vie yo même la vie yo pas compté. Gouvernement CPT a primature yo mette hélicoptère à la disposition de Nexayo qui besoin chaper pour lui avec madame avec petit yo et ça plus grave là aux frais de l'état haïtien c'est hélicoptère qui gagne drapeau haïtien c'est l'état haïtien qui a supporté toute charge ça yo qui a payé pour toute charge ça yo toute évacuation ça yo qui a fait là gaz l'état qui prend le payer puis l'autre qui prend le faire tout entretien yo kounya ou même qui a gardé ou même qui en Haïti là dans moment qui prend brimade dans babandi poser tête toute question est-ce que la vie ou pas compter. Est-ce que la vie ou pas gen prix? Est-ce que moun sa yo ap évacué? Est-ce que la vie ou plus gen plus compté? Est-ce que la vie ou plus important que pa ou? Et c'est ça yo, c'est comportement sa yo le nou dirigeant l'état pa bo ici, autorité l'état pa bo ici gen comportement sa yo pour nous poser tête nou question pour nous réfléchir. Et c'est ça qui doit pousser nous prendre responsabilité. Hélicoptère l'état ici a fait évacuation, la famille des oligarques, les amis des oligarques, les petits boubous des oligarques, et puis nous-mêmes, nous avons couru pour bandi, nous avons couru, nous n'avons pas de nous braler. Nous avons une intervention extrêmement intéressante. Nous avons Pierre-Antoine Louis qui lui-même a fait un râle et mené vini sous situation paysan. Et l'important pour nous regarder, étendre ensemble avec moi qui ça. Détail. Moun kap gouverne pays a, parce que pays a pas gouverné, c'est ça le problème essentiel. Nous chita là, n'aptan le Conseil de sécurité, n'aptan les États-Unis, n'aptan la Chine, n'aptan la Russie. Li inacceptable. Moi fait cause commune avec général Guerrier, lieutenant général Guerrier hier, nan propos li, li le li temps pour autorité au bail, les forces armées d'Haïti moyens, notamment des blindés d'assaut. Li le li temps pour gen moun kap réfléchi dans l'état, li inacceptable ça kap passe là. Moi crois que nous vivons au moment que on moun gen pouvoir nan men et moi reconnaître que gon nouveau premier ministre qui fait monter, je veux dire a fait seulement 8 jours, li monté lundi passé. Cependant,
se mettre au travail 24 sur 24 pour chercher des solutions pour nous juguler le problème ça. Et l'heure n'est plus à l'attentisme de la communauté internationale. L'heure, c'est pour nous jouer une solution, c'est pour le peuple à commencer à voir que le problème a commencé à résoudre. Moi, je pense que c'est dans ce sens ça, tout le monde doit abonder pour interpeller mon cap diriger nous ou bien yo remettre le pouvoir parce que personne ne bat du pièce. C'est le résultat que vous avez, cap faut rester sous pouvoir. Et depuis le 26 avril que le conseil a monté, c'est inacceptable ça n'a pas vivre là. Bien entendu, lui, nous. En fait, en pile, mon a tenté longer le wet, une sous l'autre. C'est au responsable, c'est au responsable, c'est tel pays responsable. Et résultat, c'est nous-mêmes qui sommes dans le pays en cas vivre. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que il y a des hauts gradés de l'armée dominicaine qui ont été arrêtés pour implication dans 20 armes, ouais. 900 000, plus de 900 000 cartouches d'âge détournées. Mais Haïti, c'est Haïti qui a un bon dos. Et on va comme ça. Qu'est-ce que j'en comprends nous-mêmes? Qu'est-ce que j'en analyse? Moi, analyse dans le sens que il y a un cabal transnational qui montait contre Haïti, qui a profité de la souffrance qui vit là. Et il faut que nous ne pas naïfs pour tout le monde comprendre que, j'en ai dit en français, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Où les gens ukrainiens ont souffert, aujourd'hui a fait 1000 jours, depuis février 2022, la Russie a attaqué l'Ukraine. Aujourd'hui a fait 1000 jours. Et depuis lors, l'Ukraine dévastée, des centaines de milliers de monde mouri, des deux côtés certainement. Mais certainement, l'Ukraine a fait les frais de l'invasion, mais il y a un paquet de monde qui a 20 âmes. Zamboudan de les États-Unis bayo, par exemple, autorisation au président Biden bay, puis ont utilisé missiles surface à surface, sol-sol, sol-sol en français, à longue portée, jusqu'à 300 km pour attaquer des bases russes que vous faites déjà matin, à partir de 2h du matin, le payo. Missiles, ça a un bon coup. Il y a des gens qui font missiles, les États-Unis payent pour missiles, donc il y a des gens qui font comme. Donc, même gentil. Et colonel dominicain ça avec deux capitaines avec des sergents et tout à colitio c'est un cabal international qui dressé contre Haïti m'pap douter bien que m'pa gen information exacte même m'pap douter que 900 000 cartouches ça yo destiné à la frontière puis yo vinn là puis yo vinn touyer moun puis yo vinn semer le deuil mais n'a dit tout dans jour que se passé yo la police repéré deux des siens ou bien qui t'a transporté des armes pour bandits. Donc, on cabale international qui montait. Non, alors ça, c'est pour nous ici, laver les yeux, nous. Et c'est que ces derniers temps, c'est rarement une semaine passée. Nous attendons que vous dites que vous avez un policier haïtien qui est impliqué dans un mauvais bagaille. Oui, alors c'est pour. Ça doit. Si vous avez dit que fait exactement comme ça, enfin, terroriste, c'est que vous avez besoin de zambou, vous avez besoin de munitions. Parce qu'un fusil dans mon son bout de fer, ou bien si son attaquant, son bout de fer avec bois. Qui pas utile en rien ou mettre faire manger avec si ou pas ou prend bois pour cuisiner si ou pas gain balle donc toute balle ça est destiné pour venir en Haïti me crois que une balle ça entre on dit $2 $2.50 même $3 vous comprendre si on rareté et la loi de l'offre et de la demande là on a parlé de certainement plus d'un million de dollars donc on cabale transnational qui monte contre Haïti c'est ça que fait. Nous apprenons tout pour nous être sur ce sujet ça que un rapport du de l'équivalent de la Cour des comptes supérieure des comptes du contentieux administratif aux États-Unis sauf que c'est pas un coup lié mais c'est l'organe le General Accounting Office qui est l'organe d'audit du gouvernement des États-Unis d'Amérique qui mène une enquête qui confirme que et plus de 90% des hommes qui rentrent en Haïti, arrivent en Haïti, des États-Unis, particulièrement du sud de la Floride, que des Haïtiens achetés au Texas, en Géorgie et en Floride. Côté l'homme aux États-Unis, m'était en Floride. Okay? Donc, en tant que citoyen américain, tout, ancien militaire, je n'ai pas de dossier de police, je n'ai pas de dossier de police,
D'ailleurs, il y a top secret security clearance du gouvernement américain. Donc, moi, quand je suis allé en Floride, j'ai acheté autant de armes que je voulais. Ouais, pendant que je parle là, je prends un avion. Je vais en Floride, j'ai acheté 2000 fusils. Et je me stocke là, quand même. Et puis. Vous avez l'occasion pour vous en Haïti? Bon, oui, bon, je ne vais pas faire ça. Non, parce que vous ne pouvez pas traverser avec les facilement comme ça. Non. Mais, les gars de Sanap vivent là, il y a un système que les États-Unis d'Amérique mettent en place qui permet un paquet d'Haïtiens malhonnêtes. OK, qui voyez les âmes là, et nous, il y a même les 10 qui étaient impliqués. Donc, je m'a dit ça pour me dire que ce qu'on dit de République dominicaine, non, son étape à travers la frontière, et tout pays dans la zone, non, même le Canada, le Mexique, a vive le fait que les États-Unis constituent une menace pour le reste de la région à cause du trafic incontrôlé des armes légères. Dans tout hémisphère là. Et Jamaïque a un sérieux problème. Et si vous regardez la carte là, vous regardez la péninsule sud, vous voyez que Jamaïque tout près. Okay? Il y a un blanc qui monte en tête, pas droite, qui est capable de nager, saute Jamaïque vient Haïti, saute Haïti à Jamaïque. Donc vous voyez un trafic qui a fait, qui est plus ou moins apparemment centré en Île à Vache. Donc il y a un trafic ça tout. Le canal entre la Jamaïque et Haïti. Gros trafic tout qui sortit vers le sud, qui sortit Venezuela, Colombie. Donc nous prenons étau dans un grenage tête chargée. Mm-hmm. Et le problème, c'est que l'État haïtien effondré, gain en pile difficulté pour l'État haïtien à freiner le trafic là. Les États-Unis lui-même de mettre en place ou rappeler une unité de lutte contre le crime transnational, qui n'est pas réellement fonctionnel là, parce que même le bureau du DEA a fermé ici actuellement, alors que le pays a vint tout non passoire, parce que l'État perd du contrôle, n'est-ce pas, de son appareil répressif. Donc Haïti prend un étau côté des profiteurs de tout acabit, des dealers de drogue, des contrebandiers de toutes sortes de produits, y compris des produits laitaux, à semer le deuil là, et tout ça n'a fait son réveil citoyen. Et tout le monde n'est pas nécessairement étranger. Il n'est pas nécessairement étranger. Il y a un Haïtien qui a fait comme la donne. Il y a un Américain qui a fait comme la donne. Donc, Haïtien qui a fait comme la donne. Haïtien tout, qui je dis là, pendant même un grenage dans tout, qui n'est pas qu'à circuler de une zone à l'autre, je dis. Non, mais tout et, à fait. Et qui a une famille autour, qui a mouru tout dans ça. Là. Oui, bon, il n'y a pas même qu'à le cacher en République Dominicaine, il n'y a pas qu'à le cacher, parce que, bon, pas de trafic aérien. Il était capable de passer par Miami, bon, il n'y a pas qu'à le cacher Miami, mais comme vous voyez, la valse des hélicoptères retournée, si vous possédez 2 500 $ pour aller au Cap pour aller prendre un avion, maintenant, qui a ici qui possède 2 500 $ pour aller prendre un avion pour aller au Cap? C'est un trafic. En fait, il est indécent que l'État permette ça. Il est indécent que l'État permette l'aéroport fermé, et puis qu'on y a des gens qui a cherché l'hélicoptère, comme par magie. Maintenant, on connaît pas souscrire à la théorie de conspiration. Mais il faut me poser cette question. Qui, genre, lundi passé, on bagarre fait dans le pays, il a changé de premier ministre. Et des groupes terroristes annoncé que Mounba doit mettre dans la rue, tiré sous 3 avions de ligne commerciale des États-Unis et non des moindres. Et aéroport fermé, et puis 2 à 3 jours plus tard, qu'on y a hélicoptère tourné. Donc, on commence là, qui prend nous en otage, et l'île pour l'État haïtien affirmer. Maintenant, je demande au Premier ministre Alexis Diefizemé, homme d'affaires de son État, c'est-à-dire homme d'affaires, son monde qui a cherché résultat. Et m'a profité pour me dire, pendant que je dis ça, moi saluer le courage de tous les Haïtiens qui ont résisté à bagay ça, y compris les entrepreneurs, qui malgré toute difficulté, ça a aucun business ouvert pour quelques milliers de concitoyens joindre travail toujours. C'est une tâche patriotique, civique. Je considère Mounsao comme des héros. Pour moi, Mounsao qui a des payroll toujours, je ne pas considéré comme des oligarques. Je considère comme des gens qui ont courage, qui ont des business ouverts. Je connais des entreprises, des gros amis qui. Malgré toutes difficultés, même le monde n'a pas le travail quand aujourd'hui, les Kembe Péroli, son bagage extraordinaire, son bagage tête chargée pour nous vivre une situation ça aujourd'hui. Maintenant, Premier ministre, ou gagne pour tirer les leçons de l'échec
premièrement, du président Jovenel Moïse et puis tout prédécesseur lui, qui contribue à ce que nous arrivons là aujourd'hui, qui fait que le 12 mars 2021, les 5 policiers ont été assassinés lâchement, village de Dieu. Dans les heures qui suivent, c'est pour te une attaque frontale pour te tracer son leçon. Ça n'a pas de fait. Ariel Henry vini, pays a descendu sombre davantage dans l'insécurité. Koni vini, il fait 5 mois là. Bon, je regrette que nous avons une prémonition, dans l'analyse, je me dis que Koni n'était pas l'homme de la situation. Et ce n'est pas parce que j'ai un problème avec elle, c'est parce que je pensais que je ne sais pas comprendre qui côté la rentrée là, parce qu'elle fait 10 ans dehors. Ayant échoué d'abord en 2012, je ne pas penser que je souhaitais comprendre la situation. Mais je me toujours dit que je m'étais disponible, tout ça me fait pour aider. Même pas de penser que l'échec ça, tu es capable d'arriver dans le niveau de l'arrivée là. Donc, le premier ministre, c'est pour le garder, qui sa prédécesseur immédiat, lui, pas de fait, un peu le fait le contraire. Grosso modo. Ou bien corriger tout, corriger, rectifier. Tirer les leçons. Parce que, regardez, nous sommes des êtres humains. OK, Ariel échoué, Jovenel échoué, Jovenel piteusement, m'a détourné le chemin, ça fait mal. Ariel, par contre, s'il te réussit, tourne dans le pays en catimini. Alors, leçon que nous n'avons pas jamais tiré, et je toujours dit ça. Pas occupé blanc comme si vous pensez qu'il supporte le pouvoir en Haïti. Redevance ou redevabilité, c'est au peuple haïtien. C'est le peuple haïtien qui gagne des attentes. En principe, c'est le peuple haïtien qui est supposé voter pour vous parce que c'est le peuple haïtien qui gagne la souveraineté populaire. Qui la difficile, Pierre-Antoine, pour retirer ça dans la tête d'une série de haïtiens. Il y a tellement quoi dans blanc, il y a tellement quoi blanc avec, il y a blanc à supporter. Et blanc, toi, à un certain niveau, il y a envie de faire quoi ça tout? Dans les lieux, dans les instructions, dans imposer. Diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner, en pas qu'ils sont. Et nous-mêmes, nous jouons le rôle des dindons de la force. Des dindons de la force, justement. Mais quand on perd du pouvoir, il y aura les coyaux, et puis on guette un voyant, on se dit, nous sommes prêts à travailler avec un tel. Avec un tel. Donc, oui. On jette hypocrite. Correct. Alors, c'est ça que fait Mabdi. Pour avoir été diplomate américain, je ne vais pas dévoiler les secrets, je ne vais pas faire ça. Mais je dis que, au fait, blanc aussi perplexe de nous, et blanc nous manipule blanc pas comprendre, je répète encore que, au fait, blanc, pas, contrairement à un peu les amis qui pas quoi, parce qu'il a pensé que c'est l'aspect blanc que je gagne, qui a parlé là, ouais, ancien diplomate américain. Hein. Mais m'a dit nous que c'est nous-mêmes qui mal comprennent. Moun yo qui un problème pa yo, yo chargé à problème, yo pas préoccupé par problème Haïti. Le problème c'est Sosso Diawendel, c'est l'irresponsabilité des élites haïtiennes. Nous complètement irresponsables qui fait jodi à la. Regardez, Wendel récemment et ou te rele moudi n'a fait émission hein. Mal gardé premier entretien ba ou en 2016 pendant la campagne présidentielle. M'a répété même bagaille. Suspend penser que blanc supporte ou. S'allier, c'est simple. Si ou gouverne pays, il faut pays a gen relation diplomatique bilatérale avec des pays, par exemple les États-Unis. Pays a gen des partenaires techniques et financiers multilatéraux. L'ONU, la Banque interaméricaine de développement, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, et j'en passe. Nécessairement, il faut que vous composez avant. Ça, vous pouvez discuter. C'est vous-même qui menez l'État. C'est vous-même qui supposez un programme politique pour quoi mettre en œuvre. Pour répondre à besoin. Pour répondre à besoin de population. Yeah. Donc, il faut que vous composez avant. Mais vous ne supportez pas. Parce que les relations diplomatiques ne sont pas personnelles. Excusez-moi. Oui. Qu'est-ce qui fait que un pays haïtien dit que Haïti obligé dépendre à travers ses relations des États-Unis, il n'est pas capable de faire des ouvertures vers d'autres pays qui parlent de bons gens en militaire avec les États-Unis, la Chine, la Russie, Corée du Nord, pour ne citer que ces pays-là. Ça fait ça. Est-ce que sous-décider entretenir des relations, est-ce que mon ambassadeur qui a dit que vous n'avez pas le droit, vous êtes tenu de n'avoir que des relations avec
moi, États-Unis. Est-ce que vous avez comme ça qui existe? Excellente question, Wendell. Bon, je vais garder dans la caméra pour me dire ceci. Regardez. Non, dirigeant haïtien, pas obligé. In fine, en fin de compte, décision, toute décision dirigeant haïtien prend, il doit prendre dans l'intérêt d'Haïti et dans l'intérêt du peuple haïtien. Maintenant, effectivement, pas naïf. Et Haïti situé à 100 minutes de vol de Miami, 100 minutes de vol de Fort Lauderdale. Bon, je ne sais pas si estimation, pas estimé, mais gain des centaines de milliers d'Haïtiens, sinon millions, aux États-Unis. Moi, je comprends ça. Moi-même, quand je parle à voilà, l'homme de 17 ans, papa me voyait chercher. Papa me quitte aux États-Unis depuis 1969, je voyais chercher. Et puis, moi, immigré aux États-Unis. Alors que j'étais étudiant au lycée François Duvalier de Pétionville. Donc, je ne vais pas mentir. Moi, je connais un paquet d'Haïtien qui est aux États-Unis. Cependant, vous connaissez plus Dominicains aux États-Unis qu'Haïtiens. Beaucoup plus. D'ailleurs, Dominicains jouent au baseball. Donc, moi, je comprends que, faut que les gouverneurs gardent une décision que je vais prendre diplomatique, ou garder les conséquences. C'est tout à fait normal. OK? Loi gouverner, il faut réfléchir. Loi mettre en œuvre politique publique, il faut garder implication. Je comprends. Mais je vais dire ceci. Qui Jean, un pays qui a 220 ans, nous fait célébrer hier 221e anniversaire de l'épique bataille de Vertières. Donc, dans quelques jours, nous allons célébrer 221e anniversaire de l'existence d'Haïti en tant que nation. 28 ans après les États-Unis, qui étaient en 1776. Donc, Haïti et les États-Unis sont les deux plus anciens pays des Amériques. Récemment, République dominicaine, Honduras, El Salvador, coupé fâché avec Taïwan. Ils ont quitté les relations diplomatiques avec Taïwan, ils ont établi des relations diplomatiques avec la Chine. Regardez, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. La République populaire de Chine détient la deuxième économie mondiale. Ou pas qu'à ignorer la deuxième économie mondiale. 100% des motos que vous avez dans l'arrière sont en Chine. Sandales que vous avez dans l'arrière. Sous-vêtements, mesdames, vous avez vendu. Paquet de bagages, vous avez vendu. Tiens, aussi, vous avez vendu. Sont en Chine. Qui est-ce que vous avez dit ou vous avez ignoré un partenaire commercial d'Haïti aussi important? Maintenant, un leader haïtien qui est responsable, et d'ailleurs, c'est ça que fait, ouais, n'a pas essayé pour nous revenir à la question que vous posée en première, parce que tout bas, ça a oublié. Sujet principal où vous voulez discuter. Là. Si Haïti a une relation diplomatique avec la République populaire de Chine, Chine a un blanc seing. Il n'a pas d'accord pour transformer la résolution d'une mission de maintien de la paix. Il n'a pas de Chinois qui n'a pas dit et que nous-mêmes nous devons qu'on est au niveau diplomatique. N'a pas de Chinois qui gagne une autorité de veto qui signifie si vous n'avez pas accepté le projet de résolution que les États-Unis et l'Équateur tablent, qui va discuter demain pour une possibilité de transformer la mission de maintien de la paix. En passant, jeudi 19, 30 septembre aujourd'hui, ça fait 49 jours depuis les États-Unis ont une résolution que le Conseil de sécurité a considéré pour faire ça, ils n'ont pas fait. La Chine et la Russie disent qu'ils n'ont pas fait, même quand ils ont voté pour 27-51, alors qu'ils ont été abstenus pour 26-99. Là. Maintenant, vous avez remarqué, vous avez posé une question, ça a gagné une dizaine de jours. Je vous ai expliqué que si pas un cataclysme en Haïti, par rapport au fait que le 30 septembre, Chinois avec Russie pas d'accord. Pour qui ça 49 jours plus tard aujourd'hui, 50 jours demain, mercredi 20, côté où on va regarder la résolution, hein, pour qu'on a fait ça. Donc, il faut avoir un cataclysme en Haïti. Mais ça, cataclysme, vous l'avez dit. Un cataclysme, c'est pratiquement un tremblement de terre mêlé avec un tsunami. C'est un bagage tête chargé, un bagage grave qui touille en pile monde. Donc, on regarde la situation en Haïti. Hein. Depuis le 30 septembre 2024, le Conseil de sécurité a approuvé la résolution 2751 qui pratiquement reprend même l'obéi 26-99 là, qui fait que pas gain plus l'argent qui est mobilisé sur les 600 millions que vous avez besoin pour la première année d'installation et de fonctionnement de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Donc pendant tout le monde qui a mouru, il y a 380 Kenyans là, il y a 22 Jamaïcains, okay, ça fait 402.
gen deux Belize et Belizien, ça fait 404. Nous croyons gen quelques Bahamiens qui vini. D'ailleurs, le gouvernement Bahamien dit Bahamien qui l'a eu. Rentrer. Si nous-mêmes nous sentons pas en sécurité, quitter pays. Nous pas même besoin de moyens, on dit n'a pas venir et puis n'a bon moyen pour quitter pour aller faire autour. Donc c'est une force. Mais maintenant, on d'accord que donc ça excusez-moi, ça veut dire que jusqu'à présent nous avons moins que 500. Enfin, bon, nous avons moins que 410. Donc, c'est pour nous expliquer que les deux bons tons que vous voulez transformer mission. Les États-Unis voulaient, d'ailleurs, mission 2699, là, t'as anticipé là, au paragraphe 19, le Conseil a demandé le secrétaire général pour faire des propositions à ce titre. Donc, c'est bien. Haïti fait. On dit que les États-Unis voulaient. Oui. Est-ce que le pas nécessaire pour ta bonne petite précision, les États-Unis de l'ère Biden ou bien États-Unis ça aujourd'hui avec États-Unis après 2025 là? Jusqu'au 20 janvier à midi, Biden président des États-Unis. Les États-Unis ont un seul président à la fois. Sa président Biden a essayé de faire là, ou après pour un article New York Times que nous lit il y a deux ou trois jours, c'est l'anticiper que Trump a moins disposé en faveur d'Haïti. L'a regardé situation qu'en Haïti a, li pa ta vle que il quitte en héritage ça qu'a fait là. Et l'anticiper que Trump pral gon l'autre attitude, li quand même quitté mission multinationale d'appui à la sécurité a tombé parce que si les États-Unis pas levé pied, l'a tombé. Donc c'est comme ça que pendant la assisté à un forum de l'APEC qui c'est l'association des pays de l'Asie et de l'Est au Pérou. Il a rencontré le président Xi Jinping de la République populaire de Chine et m'a dit encore que Haïti, qui a une relation avec Taïwan, ça n'a pas fait Chinois content du tout. Et selon le New York Times, il y a un officiel américain qui dit que le président Biden utilisait tout le temps pour parler avec Xi Jinping, non, qu'il n'était pas là avec elle. Et ça a un an, il n'a pas parlé souvent, pour demander pour la Chine quitter la résolution passée. Qui pourrait le faire que le conseil de, le secrétariat général des Nations Unies pourrait examiner la faisabilité de la transformation de la mission de multinationale d'appui à la sécurité en une mission de maintien de la paix qui signifie mission 1 si on transforme l'étape vient Cancun Minusta l'étape gain moyen propre ou pour Minusta là pendant 13 ans pas de gain problème l'argent. Donc parce que une mission multinationale une mission de maintien de la paix de l'ONU sont opérations de l'ONU qui bénéficient du financement de l'ONU quand toute l'autre opération, toute l'autre activité l'ONU a entreprendre. Donc, les États-Unis, et moins de deux mois plus tard, un mois et demi plus tard, ils ont essayé encore. Et c'est comme ça, le président Biden parlait de bagarre avec Xi Jinping, et un officiel américain dit, le président Xi Jinping n'a pas dit non, mais il semblait pas enclin. Et une raison, c'est la relation Haïti avec Taïwan. Donc, si je dis à Haïti besoin d'appui, il n'y a pas d'intérêt à Haïti pour continuer la relation avec Taïwan. Un pays qui n'est pas réellement baronné, qui a balle des miettes, il y a des enjeux géopolitiques qu'il a besoin de gérer. Maintenant, je ne peux pas demander pour mon baronné envahir Haïti, ceci, cela, ce n'est pas de ça qu'on a parlé. De toute façon, l'heure n'est pas au nationalisme forcené. Même comme respecter le grand nationalisme, considérer être mon nationaliste, tout, même si je suis pragmatique. Sous pas qu'à faut d'accord que dans ça peut pas ici à vivre la journée, quel que soit moun, par exemple les Béninois qui offrent 2000 soldats. D'ailleurs, problème haïtien, c'est un problème militaire. Problème n'est pas un problème de sécurité publique toujours. Toutes les fois que nous pensons que la police va résoudre le problème, ça n'a pas été nous menti. Problème n'est pas un problème militaire. Les forces armées d'Haïti méritaient pour joindre des blindés d'assaut, pour aller avec Zamio, capturer, pour on est campé devant eux. Oui, ça veut dire, je parle de vrai bende. Je suis dit charmaté en émission, et pas nous-mêmes, non, nous avons fait un entretien avec eux. Pas qu'un char en Haïti. Effectivement, les forces armées d'Haïti ont besoin des chars à canon, même avec des pneus. Non, il n'y a pas besoin de chenilles, il n'y a qu'avec des pneus. Non, mais, non, mais comment on fait pénétration? Non, mais pour le moment, dans l'immédiat, soit on fait ça, qu'on a besoin tant de formation, tout ça. Mais il y a des blindés qui ont un canon là-dedans, que les forces armées d'Haïti ont utilisé avec une force de frappe, côté que sous camp en face, il y a pulvérisé. Je ne comprends pas comprendre pour qui ça, Kony, ex-premier ministre, là, aux Émirats arabes unis,
li pas tourner avec de tels canons pour les forces armées d'Haïti. Au lieu de faire ça, il fait un bagage avec une firme américaine qui pour former les policiers tactiquement. Non, ce n'est pas ça, les policiers ont besoin. L'étape plus bon, si vous avez fait un contrat avec une firme de sécurité qui a des hélicoptères qui capable, pendant que vous avez fait opération, qui a une couverture aérienne. Si c'est ça, le Premier ministre a fait, moi-même, je suis bien content. Mais l'argent n'est pas sous débat que ça, c'est pour le conseil présidentiel là, dit Mounio que le Premier ministre Kony pas de gain titre ni qualité pour l'engager le pays. D'ailleurs, au niveau international, c'est la présidence qui engage le pays. Le président signe les traités qui sont approuvés par, par l'Assemblée nationale, oui, par l'Assemblée nationale. Mais pays côté de l'aller, ils sont obligés comme ça. Bon, sauf qu'il y a un imbécile qui va prendre qui démêle. Pour faire l'obé la carrière, donc ils prennent comme là. Donc c'est pour expliquer que non. C'est Haïtien qui ne comprend pas que c'est pour gouverner Haïti. Il n'y a pas de prendre diktat, non, mais aucun diplomate étranger. Il n'y a pas de. Entendez, mon abdi, il y a acheté équipement pour les forces armées. Il y a un diplomate américain qui dit qu'il n'y a pas qu'à faire ça. Frère, vous comptez ça qui a passé? Pierre-Antoine, le président? Ou bien Pierre-Antoine, le Ariel Henry? Il a déclaré diplomate américain en persona non grata. Il a balle 48 heures pour quitter le pays. Regardez, l'on gouverne un pays. Nèg gemye, Africain gemye. Mon appartenance à la race noire, la race africaine, le plus important que tout l'autre bagage me décaille dans le monde là. Oui, m'oubliez tout, que un peu le monde dit que la mort Jovenel Moïse, l'y découlait, ou encore ses conséquences, visite était fait en Turquie, vous entendez ça? Je entends mon abdi ça, mais je ne connais pas quoi, bagage ça, pas du tout. Regardez, moun toujours ap chercher des explications occultes, des explications, des bagay bizarres, y a parlé. Et puis ça tout prévoit, y a pas fait. Regardez, gain un sens de d'irresponsabilité dans le pays. En regardez, dans l'épistémologie, nous, dans la pratique, nous. Mes amis, combien moun kap tande matin, garçon, kap grenen ti moun dans le pays, que y'a pas occupé? Que y'a quitté avec maman yo, pour maman yo dégager pour occuper ti moun yo. Ou bien grand-mère, pour grand-mère, dégager occuper ti moun yo. Combien de garçons en Haïti fait ça? Et ça a longtemps depuis la fête. Grand même, maternellement, vive bagay ça. Nous n'y fait, nous n'y pas occupé. Donc, nous avons un sens d'irresponsabilité dans ce pays. Et une façon pour nous sortir, faut nous commencer responsable. Quand elle a le bois au bois pour qui Jean, il y a un ministère qui est le ministère des Travaux, du Transport et Communication qui n'est pas loin de l'aéroport. Même pendant que nous avons vécu ça, ou appelé un ministre avec un pile monde dans le ministère des Travaux, des Transports et des Communications qui n'a pas fait rien. Regardez dans l'état où tu es. Aéroport, c'est une disgrâce. Aéroport, c'est dégueulasse dans ce qu'on vit là. C'est pour le premier ministre là, qui sont hommes d'affaires. Hommes d'affaires toujours besoin de résultats. C'est pour commencer à faire ministre au travail. C'est pour le ministre des Transports et des Travaux, des Transports et Communications. Avec OFNAC. Pour le dire. Dégagez-nous, ban mon rapport dans les 48 heures pour nous comprendre qui ça, dans quelle situation l'aéroport est. Ensuite, lire le général Guerrier, lire le Normil Rameau, lui dit, moi, je donne un dispositif de sécurité dans plein nom, pour les avions à partir de l'est vers l'ouest. Oui. Oui. Je ne sais pas si perdu le fil pensé, mais songez tout que les directeurs généraux, il n'y a pas dépendre du Premier ministre, mais c'est de la présidence qui a dépendu. En fait, pour qu'il tape passer M. Damio, instruction ça. OK. Wendell, merci beaucoup pour la correction. Hein. Bien que m'a dit que, pour gouvernement marché, leçon pour nous tirer de l'échec Ariel Henry, de l'échec Kony, c'est que, moi, je me demande pour nous faire une retraite. Je me propose qu'on y fait ça, le pas fait. C'est pour nous faire une retraite pour nous décider, puisque, il n'y a pas plus de légitimité que l'autre. Puis on décide qui Jean va pral coordonner l'appareil gouvernemental de telle sorte que le pouvoir exécutif gagne plus de cohérence, gagne plus de cohésion dans les actions gouvernementales, dans la mise en œuvre des 5 axes du gouvernement de transition prévu par l'accord du 3 avril. Maintenant, ça me dit, c'est que, oui, article 136 Constitution, hein, qui est toujours applicable, non obstant la situation d'extra-constitutionnalité, mandé pour que la présidence assure la continuité de l'État. C'est-à-dire pour le garder comment l'État a fonctionné. Le bon fonctionnement de l'État. Mais au quotidien, le Premier ministre, il a gagné pour mandé et
organes concernés. Regardez, on n'a pas nous payer pas quand il est fermé. C'est quand Haïti a isolé tête li. Je dis, a fait 8 jours depuis que bagarre arrivé. Donc, l'innécessaire pour le Premier ministre, convoquer acteurs sécurité, acteurs techniques, au FNAC, pour nous comprendre qui problème a eu pour gagner. Parce que même quand l'Agence fédérale des États-Unis, l'administration de l'aviation, dit que dans les 30 jours qui suivent, depuis lundi passé, aucun avion ou bien ligne aérienne immatriculé aux États-Unis capable de venir là, ça ne veut pas dire que nous supposons être en mode réactif, nous ne pas faire rien. Nous sommes capables de faire ça pour nous faire, relayer son rise, demander son rise. Qui ça pour nous faire pour l'aéroport international là fonctionner? Nous ne pouvons pas décréter, nous dit, comme nous avons volé Cap Haïtien, comme il y a deux ou trois Haïtiens qui sont pauvres, qui ont un hélicoptère, donc nous n'avons pas oublié pour le prince. Non! Le Premier ministre était supposé déjà convoquer tout le monde, ça, je suppose le faire, parce que son homme d'affaires, lui-même tout. Et je suppose qu'il a besoin de famille, si famille à l'étranger. Donc, Wendell. Non, mais est-ce que le premier bagage pour que tu aies fait, Pierre-Antoine Louis, est-ce que ce n'est pas une enquête pour que tu aies lancé immédiatement? Il a convoqué mon nom dans l'enquête là. Yeah. Comme il n'a pas fait lui-même. Mais ce qu'on va faire, moi-même, comme il n'a pas eu d'affaires, moi-même, Pierre-Antoine Louis, on va faire comme ça, pas qu'à faire, pour directeur général, au FNAC, en place toujours. On va dire qu'on ne sait pas qu'à faire. OFNAC signifie Office National de l'Aviation Civile. Oui, c'est l'organe qui régule pour tout le monde. C'est pas impliqué là-dedans. Oui, 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 pas qu'on va comme ça. Pas qu'on va comme ça. Écoutez, en Asie, l'on l'obéit qu'on s'est fait. Ou qu'on s'est passé, les gens qui sont responsables là, ils sont allés en public, ils sont revolver tout et tête. Parce que les gens ont le sens de l'honneur. Oui, oui, mais ça, c'est en Asie. Non, 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 mais excusez-moi. Sans règle universelle, le responsable, on va la craser dans le monde. Fait au moins, ou bien, regardez, si moi-même, je suis directeur général au FNAC, je suis démissionné. Si je suis directeur général administration aéroportuaire nationale, je suis démissionné. Que l'autorité n'a pas accepté le son de l'autre bagage, mais même je suis démissionné. Non, mais attendez, puis si je suis chef de la police, je suis démissionné parce que trois avions pas qu'à prendre balle, ça passe comme une lettre à la poste. Il faut nous commencer à tracer des exemples dans la société. Oui, mais quelqu'un qui a dit que pour que ça ne va pas essayer de résoudre la question de gang, non. Parce que lorsque c'est gang qui a dirigé le pays, il lui-même qui a n'importe quoi peut arriver. Peut arriver. N'importe bagaille. Oui. Donc, est-ce que je dis là, nous allons prendre tout phénomène là, et puis nous la guerre sur deux mouns. Wendell, quand dit colonel Gebu, qu'on dit, et m'a cité là, ouais, bagaille sur Abdila, sont des phénomènes. Mais ça, c'est phénomène là. Phénomène là, c'est que l'État haïtien n'a pas marché. Alors, je veux nous comprendre. Faut nous comprendre. Je ne vais pas minimiser rien qui a passé là, non. Je vais pile solidarité à tout le monde qui a souffert. Mettre là, moi, je vais souffrir. Personnellement victime d'obé qu'a fait yo m'pa dou ki jamais victime personnellement. OK, bon di occasion machine moi que m'acheter pour $35,000 qui te gon panne moi paye $6,000 range le m'a parlé dollar et pas gain dollar. OK, donc même victime. OK, matin gon paquet l'autre bagarre m'ta m'en fait l'aime quitter là m'pa capable l'aime quitter là faut me prendre des mesures sécurité me sécuriser tête moi. Donc nous toutes victimes, cependant toute bagarre ça c'est épiphénomène. Mais ça phénomène là Haïti pas gouverné. Haïti, quand Joseph Aoul Pierre Kondil, ok, monsieur dit lui-même pas gagne élite, moi-même pas d'accord. Haïti gagne élite, toute société, toute société qui constitue gagne élite, gagne moun nan société, qui place non situation côté, yon supposé réfléchir pour société, prendre décision pour société, yon supposé à planifier pour société. Tout moun sa ou failli en Haïti. C'est ça que fait blanc. Ouais, matin, on va parler du programme alimentaire mondial. Excusez-moi, sous qui base programme alimentaire mondial? Appui en matière de nourriture en Haïti. Moi-même, moi, président, demain, je ne voyais pas dehors, je ne mettais pas dehors. Je demandais toute agence de l'ONU, font-ils camper. Bon, mais c'est comprendre comment le pays m'a pour prendre contrôle du pays. Haïti a besoin de monde qui prend prendre contrôle du pays. Wendell, vous comptez ça passer, il y a deux jours, je me lever, bon, je me dis, personnel, Wendell. N'est-ce pas, Wendell? Casson 20 ans, petit. Pierre-Léonard, lui, Neg Meyot. Marie Ismela, Fleurisma. Femme Torbeck. Gende Joumrete Wendell, m'en vie prend pouvoir dans le pays. M'assumer ça, m'abdia. Wendell, gende Joumleve, m'en vie prend pouvoir dans le pays. Wendell, garçon Kampechita devant là, Wendell. Pas j'aime dans tete langamoun. Wendell, gon le papa m'a travaillé avec de gon chantier, papa m'a fait des ordres, m'en révoqué. Révoqué, papa? Oui, m'en dit papa. Gade, c'est pas petit toi qui parle là. C'est patron. C'est patron qui investit l'argent dans un projet. Moi, je fais ça, papa, si vous ne faites pas, je me révoque. Je me dis, bon, dans ce cas, je quitte le chantier. Je me dis, ok, je me révoque.
Gardez, Wendel. Non, il dit quitter le même dit révoquer. Me révoquer. Gardez, frère. Li important à partir de ce jour pour moun k'ap gouverner nous yo, gouverner. C'est ça le problème du pays. Le problème du pays, c'est mon problème. Gang, oui, gang, ils sont épiphénomènes. Oui, c'est une conséquence de l'absence de gouvernance. C'est une conséquence que nous quittons PAM, nous quittons l'UNICEF, nous quittons l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de France. C'est ça, regardez, nous redevenir des esclaves. C'est ça que fait moi-même. Dans la nouvelle constitution, hein. Ok, je te mettais dans le comité de pilotage. Là, je suis sorti parce que je devais gagner la liberté pour faire émission ça. Si je me la donne, je ne peux pas faire émission ça matin. Je m'a demandé pour me rencontrer. Je m'a demandé pour retourner à la devise initiale de ce pays. Liberté ou la mort. Nous sommes redevenus des esclaves. Nous, regardez, nous sommes des esclaves mentaux. Nous avons des charlatans dans l'église. Nous avons des charlatans qui disent nous, bon Dieu bon, qui bon Dieu vient sauver nous. Tout le monde sait où nous sommes dans le monde, bon Dieu. Son bagage inouï, qui j'en reprend nous, ils ont décimé l'haïtien, ils ont retiré l'haïtien dans nous. Nous sommes des zombies qui marchent, nous ne comprenons pas. Et voilà, nous sommes Pierre-Antoine Louis, qui lui-même lui a fait. Il a bon aller mener Vini sur un jeu politique, sur ça qui mérite fait, ça qui a été fait, ça qui n'a pas fait. Et par rapport avec la situation paysan est là. Et ça qui est certain, c'est que Haïti, si nous ne faisons rien pour nous redresser Bakla, si nous ne faisons rien le plus rapidement possible pour nous sortir du pays dans une situation difficile que l'hier, eh bien, bagay yo ap envlimé, situation ap envlimé pi red, bagay yo ap paraît pi compliqué, et c'est nous, nan mitan population, kap paye, et podcast ya kap paye frais. Donc, nous avons un nouveau premier ministre, conseil présidentiel de transition, yo déjà au courant de qui sa situation est. C'est encore même acteur politique qui au sein du conseil qui contribuye largement dans le pays à côté de là, que yo prend et responsabilité yo, que yo assume responsabilité yo, pour yo faire ce que de droit, ou sinon, si yo pas fait rien, que population prend responsabilité pal, pour le faire ce que de droit. Compatriote Aïssé Freshem, c'est là, n'a mette un bout dans l'émission pour aujourd'hui, hein. Merci à vous-même qui te connecté, rendez-vous à casser dans une autre vidéo de formation, merci tout le monde, à très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits. Mon éditorial, vous dit tout. Mon éditorial. Et puis sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, monsieur Chanel parle pour qu'il bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous prenons le débat, c'est toujours même Yannick, même voix. On y est.